Tu peux t'allonger. T'allonger le plus confortablement possible et tu peux prendre une profonde inspiration en prenant soin de retenir un instant cet air frais dans tes poumons avant d'expirer doucement, lentement. Peut-être peux-tu sentir les tensions se dissoudre calmement avec ton souffle. Tu peux poser ton attention sur les endroits de ton corps qui prennent appui sur le matelas et sur les parties de ce corps au sein desquelles les tensions se sont accumulées. Tu peux utiliser ton souffle pour aider ce corps à se détendre en prenant à nouveau une profonde inspiration et en expirant doucement, lentement, le plus lentement possible. Peut-être que tu commences à ressentir la détente s'insinuer doucement sur ton crâne, à couler sur ton cuir chevelu, puis sur ton front, ce front qui se lisse, se déplisse, comme la surface d'un lac, tranquille et calme, sans bruit. La détente envahit les sourcils, la petite zone entre les yeux, tes paupières, calme. Détendu. Tes pommettes se relâchent, tes tempes de chaque côté. Tes joues se détendent, ton menton, ton nez, ta bouche. Tes mâchoires se desserrent, tu es parfaitement en sécurité. La détente coule sur ton cou, dans ta gorge qui se dénoue, dans tes épaules qui se relâchent profondément. Ton souffle, calme, tranquille, profond, permet à la détente d'infuser ce corps, ses muscles, ses os, en profondeur, jusque dans tes cellules. Tes bras se relâchent, tes coudes, tes avant-bras, tes poignets, tes mains et tes doigts se relâchent un par un, jusqu'au bout des ongles. Ton thorax se relâche, tes poumons. Ton ventre commence à s'assouplir et les organes, en sécurité à l'intérieur de ce corps, se détendent profondément. Ils peuvent se ressourcer, se reposer. La détente envahit ta nuque et descend doucement dans le dos, dans ta colonne vertébrale, dans toutes tes vertèbres, de la nuque jusqu'au coccyx. Les muscles de ton dos se relâchent un à un, tranquillement, à leur rythme. Ta respiration est calme, profonde, et la détente coule encore et se diffuse dans ton bassin, dans tes hanches, dans tes muscles fessiers. Tes jambes se relâchent,
les cuisses, les genoux, les mollets et les chevilles sont tout à fait détendus. Tu peux sentir tes pieds se détendre, les muscles sur le pied, dans ta voûte plantaire et dans chacun de tes orteils, se relâche doucement. Calme, détente dans tout ton corps. Maintenant que tu es plus calme ou simplement plus à l'écoute de tes ressentis, tu peux, si tu le souhaites, prendre un instant pour poser ton attention sur le rapport que tu entretiens avec la nourriture. Et peut-être même sur les raisons pour lesquelles tu manges. Peut-être est-ce un moyen pour toi, un moyen de te faire plaisir, un moyen de te détendre, un moyen de ne plus ressentir la faim. Peut-être même est-ce un moyen de te maintenir en santé. À moins que ce ne soit tout autre chose. Peut-être es-tu gourmande et que la simple évocation d'une catégorie d'aliments te fait saliver. Peut-être es-tu dans le contrôle et que la simple évocation d'un repas te fait paniquer. Peut-être même es-tu stressée et le grignotage te fait décompresser. À moins que tu n'entretiennes avec la nourriture un tout autre rapport. Et quel que soit ce qui te traverse, tu peux l'accepter. Au fond de ton cœur, tu sais parfaitement que tu as fait du mieux que tu pouvais. Aussi, tu peux prendre une grande inspiration, retenir quelque peu ton souffle et, à l'expire, tu peux accepter complètement ce qu'était ton rapport à la nourriture. Accepter la place qu'elle occupait dans ton existence. Accepter pleinement ce qu'elle te permettait de combler. À l'inspire, tu acceptes pleinement. Et à l'expire, tu peux sentir le calme se diffuser en toi. Tranquillement. À nouveau. Tu peux prendre une profonde inspiration et à l'expire, tu peux laisser ce calme infuser toutes tes cellules. Car c'est vraiment très agréable d'accepter ce qui est. Bien sûr, tu sais parfaitement que la fonction première de la nourriture est de donner à ton corps tout ce dont il a besoin pour se réparer, se ressourcer,
se maintenir en santé. Et peut-être sais-tu également que tout ce qui est nécessaire à la survie des humains est aussi très agréable. Mais il est possible que tu aies oublié à quel point se nourrir sainement est vraiment très confortable. Et que cela l'est d'autant plus lorsque tu es tout à fait présente à ce que tu fais. Lorsque tu poses ton attention sur les couleurs, les odeurs, les formes, les textures, les goûts, toutes les sensations dans ta bouche, sur ta langue, dans ton palais, dans ta gorge, dans ton estomac. Et pour t'aider à retrouver toutes les sensations merveilleuses qui parcourent ton corps lorsque tu te nourris, tu peux, si tu le souhaites, imaginer, visualiser ou ressentir un lieu idéal. Peut-être est-ce chez toi ou chez une amie. Peut-être est-ce un restaurant que tu affectionnes ou même un pique-nique en pleine nature. À moins que ce ne soit tout à fait autre part. Et tu t'y sens bien. Tu peux poser ton attention sur la température. Idéale. Sur les sons qui t'entourent. Rassurant. Et même sur la luminosité. Si agréable. Peut-être as-tu envie de te désaltérer avant de commencer à manger. Et tu peux porter ton verre à ta bouche et poser ton attention sur la sensation que te procure le verre contre tes lèvres, sur l'odeur de ta boisson, sur sa chaleur ou sa fraîcheur, tranquillement. Tu peux maintenant laisser couler le liquide dans ta bouche et poser ton attention sur les sensations que cela fait naître en toi. Peut-être que ta boisson est pétillante. Peut-être ne l'est-elle pas. Peut-être est-elle réconfortante, à moins qu'elle ne soit rafraîchissante. C'est vraiment très agréable. Tu peux poser ton attention sur le goût de ta boisson. Peut-être est-elle sucrée ou amère, à moins qu'elle ne soit piquante
ou neutre. Et peut-être même a-t-elle un tout autre goût. Si c'est possible pour toi, à mesure que tu avales ta première gorgée, tu peux poser ton attention sur tout ce que ce simple geste fait naître en toi. Les pensées. Les sensations. Tranquillement. Puis tu peux imaginer, visualiser ou ressentir ton repas préféré. Ou simplement ce plat ou cette collation qui te fait envie. Tu peux poser ton attention sur ça ou sur ses couleurs, sa texture, son odeur. Et tu peux porter la première bouchée à ta bouche. Et tu peux prendre le temps d'en découvrir ou d'en redécouvrir toutes les saveurs. Tranquillement. Et tu peux commencer à mâcher. Et chaque fois que tes mâchoires se referment sur ce mets succulent, tu peux sentir les saveurs se faire plus intenses, plus précise, plus subtile. C'est vraiment très agréable. Tu peux maintenant avaler ta première bouchée et, là encore, à l'instant précis où cette bouchée effleure ta gorge, tu peux profiter pleinement de toutes les sensations incroyables que le simple fait de te nourrir te permet de ressentir. D'ailleurs, tu peux prendre une profonde inspiration en prenant soin de focaliser sur tout ce bien-être. Tout ce plaisir. Et à l'expire, tu peux sentir ce plaisir se diffuser dans tout ton corps. C'est vraiment très agréable. Et tu peux à nouveau porter une bouchée à ta bouche. Peut-être éprouveras-tu l'envie de poser ton attention sur l'odeur de ton plat, sa texture, sa chaleur ou sa fraîcheur. Et toujours sur les différentes couleurs, les différentes saveurs. Toutes ces saveurs qui se décuplent chaque fois que tu mâches doucement. Et toutes ces sensations lorsque tu prends le temps d'avaler cette bouchée. Si tu le souhaites, tu peux maintenant poser ton attention sur ton estomac. Simplement pour constater que la sensation de faim commence à s'estomper. Et c'est vraiment très agréable.
et pour profiter pleinement de tous ces plaisirs. Tu peux inspirer profondément, retenir quelque peu cet air frais et si doux, et expirer doucement, avec la conscience qu'elle expire. Toutes ces sensations délicieuses se diffusent en toi. Tu peux prendre une nouvelle bouchée et poser ton attention sur le changement de température. Peut-être ton plat est-il moins frais ou moins chaud. Et peut-être même que ce léger changement modifie le goût ou la texture de ce plat que tu aimes tant. Peut-être que de nouvelles saveurs se font plus précises, plus intenses. Sens comme c'est agréable de se nourrir. Peut-être qu'en avalant cette nouvelle bouchée, tu te rappelles que ton corps a besoin de nourriture et que pendant que tu prends tant de plaisir, tu permets en même temps à ton corps de se régénérer, de se ressourcer, de se réparer. Et à l'inspire, tu prends conscience du bien que tu fais à ton corps. À l'expire, tu sens cette joie infuser toutes tes cellules. C'est vraiment très agréable. Tu peux continuer à déguster ton plat en prenant soin à chaque bouchée de poser ton attention sur ton estomac. Simplement, pour prendre conscience de la sensation de satiété qui s'installe peu à peu. Jusqu'à ce que tu t'aies plus faim. Jusqu'à ce que ton corps t'informe qu'il en a assez. Et que tu pourras te nourrir à nouveau lorsque la faim et l'envie se referont sentir. Doucement, tranquillement, tu peux sortir de la séance et revenir, ici et maintenant. Pour aider ce corps, tu peux remuer les pieds, peut-être les mains,
Tu peux prendre une profonde inspiration et tu peux t'étirer si le besoin se fait sentir avant d'ouvrir les yeux.